Et salut tout le monde, on se retrouve sur Genshin Impact pour une petite vidéo au niveau des stèles. Donc c'est une petite quête qui n'est pas vraiment une quête vu qu'elle n'est pas notifiée au niveau du jeu. En fait, vous avez des petites stèles comme ça à retrouver dans Inazuma. Donc il y en a 6. Alors là-dessus, on va voir un petit peu où est-ce que les trouve, où on les trouve et comment se présente cette quête sans être notifiée. Donc en premier lieu, il vous faut parler du coup à ce vieil homme du coup qui va notifier comme quoi il était lui-même un samouraï et que son fils a voulu faire pareil, sauf que quand c'était lui, bah, il n'y avait pas la guerre. Du coup, tout s'est bien passé jusqu'à sa retraite. Par contre, son fils est décédé. Donc malheureusement, il cherche à retrouver quelque chose de son fils et du coup, vous devrez commencer à chercher ses stèles. Donc la première, elle se trouve ici, du coup, justement à côté de ce vieil homme, ce qui est tout simple. La seconde, vous allez du coup vous téléporter ici, à côté du samouraï, et vous la trouverez à ce niveau-là. Alors celle-ci est très simple, celles-ci sont très simples à trouver, tout simplement parce que bah, la première, vous passez dedans, et la seconde, il y a cette petite fée qui va du coup passer à côté, et si vous n'êtes pas myope, même si moi je le suis, eh bien, vous devriez trouver la deuxième stèle. Donc, il faudra également déposer une petite fleur sur ces stèles. Hein. Donc, interagir avec elle et vous déposez cette petite fleur, là, la petite nouvelle. Voilà, celle-ci. Ensuite, pour la troisième, du coup, elle se trouve au niveau de la tête de serpent. Donc, on va y aller ensemble. Là aussi, une stèle plutôt simple parce que vous allez quand même devoir passer devant si vous faites les quêtes. Donc en soi, rien de compliqué. On y va. Hop. Puis en plus, en même temps, vous pourrez jouer avec le petit pour faire son jeu de Temari qui est très 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 chiant. Du coup, la troisième stèle, donc, elle se trouvera ici. Donc, sur la carte, ça représente cet endroit-là. Bon, après, je suis pas sûr qu'au niveau de la carte, ça aide à grand-chose, vu que de toute façon, vous m'avez vu rentrer dans la tête de serpent. Pour la quatrième stèle, on va la trouver au niveau du fort de Fujitsu. Donc là, c'est un endroit un petit peu plus caché. En tout cas, vous êtes sûrement déjà passé devant à plusieurs reprises sans l'avoir vu. Vous voyez, on la voit déjà ici. Hop. Donc elle se trouve juste là. Donc sur la map, ça relève à peu près à cet endroit-là. Ensuite, nous avons le village Iggy. Donc Iggy qui se trouve ici. Il faudra du coup cette fois-ci aller jusqu'au fond du village. D'ailleurs, à ce propos, quand vous aurez fait l'homme sur la stèle, vous l'aurez prié plusieurs fois, le coffre du coup devrait apparaître pas loin d'ici. Le coffre pour l'homme à la stèle devrait apparaître entre ces deux torches. Du coup, pour celui-ci, ça se trouve, il me semble que c'est sur la plage, enfin sur la plage. Sans parler, mais ça doit être là dans les environnements. Je sais que c'est un petit arbre de merde qui m'a fallu prendre du temps afin de le trouver. Surtout que la vision élémentaire, je ne sais pas pourquoi, mais ne fonctionne pas dessus. Ah, il me semble que c'est celui-ci. Voilà. Donc là, vous déposez votre petite cinquième fleur. Du coup, ça se trouve ici. Et pour le dernier, ça se trouve ici. On va également y aller ensemble. Alors, pour le dernier. D'ailleurs, il me semble que c'est également ici. Vous pouvez allumer cette torche-là. Celle-ci et celle-ci. Pour débloquer, je ne sais plus ce que c'est. C'est soit un coffre, soit pour débloquer le donjon. Donc. La dernière, je ne sais pas si on va voir d'ici. Si vous la voyez, elle est juste là. On la voit directement au-dessus. Donc après avoir fait ça,
Logiquement, je pense que vous pouvez reparler au vieil homme, mais rien n'est sûr parce qu'il s'avère que voilà, Genshin a notifié qu'effectivement il y avait un petit souci au niveau de la quête et que du coup, si vous ne les aviez pas fait directement dans l'ordre sans interagir avec d'autres quêtes en parallèle, bah, il se trouve que la quête elle est bloquée et du coup, pour le moment, je n'ai malheureusement pas pu voir la suite. Il faudra que j'attende que ce patch note soit mis pour notifier de la résolution du problème. Voilà, mais en tout cas, je pense que ça, c'était le plus dur, c'était de trouver simplement les stèles. Cette chose-là est faite, donc je vous souhaite bon courage dans vos aventures, et je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Salut tout le monde.